Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Universia. Ravi de vous retrouver les amis et la famille Sensia pour cette nouvelle review qui va concerner la fameuse figurine du mois de mai 2020 de chez Bandai qui est le Hagen de Merak de l'étoile Beta version EX, donc de chez Bandai. Mais écoutez, je ne vais pas vous montrer la figurine, la boîte de la figurine, puisque vous allez la voir juste après. En attendant, pour cette intro, j'aimerais vraiment que vous jouiez le jeu. J'aimerais faire une petite interaction avec vous si vous le souhaitez. Ça va ne durer que quelques secondes, donc j'aimerais bien que vous y participiez. Donc je vais vous demander tout simplement de fermer les yeux. Oui, oui, fermez les yeux un instant. Et puis ensuite, quand je vous le dirai, vous les ouvrirez de nouveau. Alors s'il vous plaît, les amis, fermez les yeux. Fermez les yeux et laissez-vous transporter vers un lieu plein de magie. Une terre lointaine au nord, au plus au nord de notre monde. Ça y est, vous y êtes. Vous sentez le froid sur vos mains. Heureusement, vous êtes bien couverts. Vous marchez sur des chemins gelés. Tout autour de vous, il n'y a que des falaises figées dans la glace. Des blocs de glace flottent devant le bord de mer bordant les côtes. Vous côtoyez les villageois durant votre marche. Et vous voyez au loin un village, puis un palais. Son nom, le palais du Valhalla. Et dessus, si vous levez les yeux, une statue immense domine le palais. Pour protéger les habitants, les guerriers, le palais. Cette grande statue est Odin, le dieu qui guide son peuple. Bienvenue à Asgard, les amis. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Nous voici donc en terre d'Asgard pour ce sublime Hagen de Merak de l'étoile Beta EX de chez Bandai Spirit. Donc comme vous pouvez voir, la boîte est vraiment très jolie, très sympathique. Il va y avoir beaucoup de choses à dire concernant cette figurine, tantôt au niveau du personnage en lui-même, tantôt au niveau de son totem, mais aussi une figurine qui est un petit peu controversée, puisque beaucoup d'entre nous dernièrement, des personnes ont pu un peu le critiquer au niveau de ses jambes, certains points négatifs également concernant cette figurine. Mais je vais essayer, écouter de pouvoir analyser un petit peu mieux donc du coup ce personnage. Alors une figurine également qui m'a été envoyée par la boutique Olsea Shop, que vous pouvez retrouver sur Facebook ainsi que sur olseashop.com. Il me semble bien que c'est un site Wix également où vous pouvez retrouver donc du coup les figurines, les précommandes pour tout ce qui est nouveautés, ou également les vintage, les classiques ou les versions OX, mais en version japonaise. Donc du coup merci à Paul Ogi donc de Olsea Shop pour cette sublime figurine. Voilà. Très content de la recevoir. Donc quelques soucis avec les envois vis-à-vis de Olsea Shop, simplement pour essayer de pouvoir contenter tous les clients de par le monde. Donc du coup il a eu énormément de soucis en ce moment avec tout ce qui est Covid-19 dans les pays sud-américains. Donc du coup ça a retardé les envois pour les nouveautés ainsi que les figurines qui avaient été déjà commandées dans sa boutique, pardon. Et du coup ça a retardé également les envois pour nous en Europe aussi. Donc il a travaillé pour essayer de trouver un fournisseur pour pouvoir les envoyer en expédition rapide afin que tout le monde puisse recevoir les figurines. Donc du coup c'est FedEx avec qui il a signé le contrat afin de pouvoir envoyer les figurines de partout dans le monde. Donc un petit retard d'à peu près une quinzaine de jours pour recevoir cette figurine. Donc il espère que tout revienne à la normale dans les différents pays latino-américains et que nous puissions vraiment être dans les délais pour les précommandes ici en France ainsi qu'en Belgique. Donc tous ceux qui ont pu commander une figurine sur Olsea Shop, ne vous inquiétez pas, les figurines arrivent, que ce soit pour les précommandes ou pour vos figurines achetées.
Allez, nous allons parler du coup de la boîte. Donc juste avant, donc cette figurine qui est sortie le 30 mai 2020 en version officielle, pas de version alternative encore à ce jour, ou de création inédite vis-à-vis des marques alternatives. Donc sur la face avant, comme on peut voir, nous avons donc Hagen debout avec la main droite fermée, la main gauche posée sur sa hanche. Un petit peu le même style que Siegfried qui était déjà sorti au mois de décembre lors de la sortie donc, de Siegfried, le premier God Warrior en version EX à sortir. Donc on peut le voir là, il a le casque redressé, il a les yeux pointés vers le bas. Une image, un visage aussi qu'on va retrouver à l'intérieur de la boîte qui fait énormément penser à la première confrontation, la première fois qu'on nous voyons à Hagen, pardon, face à Yoga, donc qui se trouve au niveau d'une montagne et qui croise donc du coup le regard de Yoga, avec ce regard qui regarde vers le bas et qui le pointe justement du doigt. Nous allons le voir un petit peu après. Il a également la cape. Bon, là il n'y a pas de cape. Ce fond noir, comme on peut retrouver également sur la même boîte, qui sera le même style pour les God Warrior en version EX. Donc ce fond noir, la petite montagne enneigée. Là, nous avons la représentation de Sleipnir, donc l'armure, la God Robe de Hagen. Nous avons l'inscription bien sûr EX là. Nous avons la vignette Tamashi Equality, Bandai Spirit, Tamashi Nation. Nous avons l'étiquette, la vignette Toy également. Là, il y a une petite représentation. Là, je ne sais pas forcément ce qui est écrit, mais je vais faire une capture d'écran pour savoir un petit peu plus. Donc, nous avons un petit fond couleur rouge. Alors, sur la version de Siegfried, après, je vais vous montrer la boîte de Siegfried. Donc, il y avait la petite couleur un petit peu violette. Donc, il y a un rapport avec l'armure. Que vous dire de plus également rapidement sur la face avant. Bon, bah, écoutez, rien de particulier, la petite auréole bleutée, pareil comme sur Siegfried. La boîte, la face avant, je la trouve vraiment très très belle sur le Siegfried. Là du coup ça reste imprégné pour toutes les futures God Warriors de rester dans ce style là. Finalement je la trouve très belle. Elle est très belle la boîte parce que c'est le perso sur la face avant qui donne cet effet là bien sûr. Mais je préfère finalement les boîtes des Marina UX qui sont sorties avec le bleu, tout ça, ça fait beaucoup plus joli. Donc sur le Siegfried, la boîte collait très très bien. Là sur la Hagen, je suis un petit peu moins convaincu. Après il faudra voir vraiment sur les autres, sur Mime, sur Thor et ainsi de suite, ce que ça va rendre au niveau de la face avant de cette boîte. Allez, on va sur le côté. Donc nous avons une magnifique représentation du totem de Sleipnir et donc du coup de l'armure de Hagen. Donc la boîte, elle est très très large. Je vais vous faire un petit comparatif avec celle de Siegfried. Donc la boîte est très 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 large. Le totem, il est vraiment magnifique. On va en rediscuter après également. Sur l'autre côté, nous avons donc Hagen, voilà, comme je disais, avec le doigt qui pointe Yoga, avec le visage qui regarde un petit peu vers le bas. Donc on est vraiment sur la même représentation que sur le dessin animé d'Asgard. Il manque juste la cape. Sur la face arrière, donc nous retrouvons une photo du totem. Nous avons là également une même bonus qu'on verra, donc qui représente les griffes de Hagen lors d'une de ses premières attaques justement contre Yoga. Nous avons les 1, 2, 3, 4, les 4 différents visages, donc le visage neutre, le visage du coup qui regarde un petit peu vers le bas, le visage hurlant et le visage avec les dents serrées, que lorsque je le regarde, donc ça me fait énormément penser à cette grimace que fait Hagen quasiment à chaque fois lorsque Yoga parle de Freya. Donc un petit peu ce côté jaloux, très énervé. Donc j'aime bien ce visage, on va voir un petit peu après. Et puis là bien sûr le personnage en train de faire sa célèbre attaque. Donc le fond également qui ressemble énormément à la figurine, la boîte de la version classique qui était déjà sortie. Donc on retrouve un petit peu, donc c'est vrai que un petit peu dommage que sur certaines boîtes on retrouve exactement le même fond. La couleur change, là on est sur une couleur un petit peu verte-jaune. Alors que sur la version classique, on est vraiment au cœur du volcan et de la lave et du magma. Donc bon, c'est un petit peu dommage qu'on se retrouve vraiment avec le même style de pose et ainsi de suite sur les boîtes EX. Ils reprennent quasiment le même style. Un petit peu dommage de ce côté-là. Sur le dessus de la boîte, donc l'inscription Beta Mirac Hagen, donc Saint Midclose EX.
Nous avons une représentation là de la Grande Ourse qui correspond bien sûr aux différents God Warriors que forment donc du coup les fameux guerriers divins sous les ordres de Hilda de Polaris. Donc là c'est la deuxième, sachant que la première est celle de Dub, donc de Siegfried, la deuxième étant celle de Merak, de Hagen, et puis ainsi de suite. Les autres, vous le découvrez juste après puisque je vais en parler. Dessous, vous avez une représentation de la statue d'Odin dans la version dessin animé. Bien sûr, sachez qu'il n'existe pas de version manga de l'arc Asgard. Après, sur la face de dessous, bon bah écoutez, tout le tralala écrit en japonais, donc je vous ai fait quelques petites photos simplement en termes de traduction pour que vous puissiez savoir ce qu'il y a d'écrit, mais rien de particulier. Bah écoutez, on a fait le tour de la boîte et puis on va regarder l'intérieur des blisters. Également pour vous parler, vous avez pu entendre au niveau du générique aussi de l'intro, j'ai changé donc une musique que j'ai récupérée chez Pakex, donc Pakex également, que je vais vous laisser une petite fiche là ou dans la description de la vidéo. Voilà une superbe musique qu'il a composée dernièrement qui n'a aucun rapport justement avec Senseiya. Mais du simple fait de l'avoir écouté, bah écoutez, ça m'a fait énormément penser au thème de l'arc Asgard. Donc du coup, je m'en suis servi et je vais m'en servir du coup pour toutes les figurines qui vont concerner la partie Asgard sur les versions UX. Donc du coup, cette musique que je trouve vraiment très très belle. J'espère que vous avez eu un petit peu des frissons au niveau de mon introduction. Enfin du moins, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai voulu faire cette introduction avec cette musique. C'est le ressenti que je voulais avoir. Donc j'espère vous avoir fait partager ça, et puis que vous découvriez cette figurine en même temps que moi avec cette musique là. Donc voilà, Pakex qui a composé le morceau que vous êtes en train d'écouter, donc un grand merci à lui. Donc je l'ai récupéré, j'ai demandé l'autorisation bien sûr de pouvoir utiliser ce morceau sur la review de Hagen de Merak. Donc je la remercie énormément, donc sachant qu'en plus c'est pas trop forcément l'univers Senseiya, il est beaucoup plus Star Wars. Voilà, je vais lui dire, il est très Star Wars, et bah, du coup bah, écoutez, le fait de le faire partager sa musique sur mes vidéos Senseiya et tout ça, donc bah, écoutez, il apprend du coup il prend des informations justement sur Senseiya, et je pense qu'il prend beaucoup de plaisir également à voir les reviews. Donc bah, merci Pakex pour ce morceau et de faire pouvoir profiter ce morceau aux gens et ainsi qu'aux amis et passionnés Senseiya. Allez, je reviens simplement sur la boîte de Hagen pour vous montrer la comparaison avec la première armure donc divine qui était sortie en version X, qui est donc le Siegfried, comme vous pouvez voir. Donc en termes de taille, nous avons la même taille, la représentation, comme vous pouvez voir, le même style est quasiment le même. Il y a un effet miroir par contre, voilà, donc la figurine de Siegfried est à droite et celle de Hagen est à gauche, comme vous pouvez le voir. Donc nous aurons peut-être l'occasion d'alterner sur les prochaines sorties également, d'en voir une sur la gauche ou une sur la droite, ou peut-être d'en voir une centrale, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, donc il y a un effet miroir au niveau des personnages sur les boîtes. Et puis voilà, comme je voulais vous montrer, donc celle de Siegfried était déjà assez large, et puis celle de Hagen, voilà, il y a bien au moins deux bons centimètres de plus en termes d'épaisseur au niveau de la boîte. Donc vraiment une très 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 grosse boîte. Je pense que le contenu vis-à-vis du totem, surtout du cheval de Sleipnir, donc fait que la boîte est super large. Donc voilà, c'était le petit comparatif de la boîte pour vous montrer les différences entre Siegfried et Hagen. Voilà, donc cet effet miroir surtout entre les deux personnages. Allez, c'est parti pour les blisters. Allez, le premier blister, voilà, avec le personnage au centre, comme vous pouvez le voir.
Donc très beau personnage donc dans son ensemble de sa tunique. Donc déjà le premier truc qu'on pouvait remarquer ou que les gens ont pu remarquer, donc surtout en différence entre le Hagen et le Siegfried, c'est bien sûr voilà, c'est les mains qui sont vraiment mains nues, alors que sur Siegfried, donc si vous vous rappelez bien, donc les mains étaient peintes de la même couleur que la tunique. Donc il me semble bien que ces marques que vous pouvez retrouver sur les différents groupes, marque Schweitzer, il me semble bien, donc qui a simplement signalé que Hagen, comme vous pouvez le voir, n'a pas de col roulé, on va dire, alors que Siegfried avait un col roulé, donc un ensemble intégral qui lui faisait en fait que les mains étaient vraiment recouvertes de la tunique, tandis que Hagen, voilà, il a simplement la tunique classique comme portent les différents personnages, et donc les mains qui ne sont pas peintes. Pour mon cas, ça me dérange pas puisque finalement les mains, on va dire civiles, ne m'intéressent pas du tout. Mais ça sera intéressant de savoir pour les différents personnages à venir si les mains seront peintes ou pas, comme Siegfried, ou si ça a été un raté de la part de Bandai, ou si c'était vraiment correct d'avoir le Siegfried avec les mains peintes puisqu'il avait un ensemble vraiment complet qui remontait jusqu'en haut. Ensuite la boîte, comme vous pouvez la voir aussi, comme le Siegfried et comme le Yosila dernièrement, donc du coup on retrouve plus l'armure avec le personnage en même temps, donc les blisters sont différents. Donc là nous avons donc la paire de cheveux qui va porter le casque, oui plutôt au contraire pardon, donc à remplacer sur le visage de Hagen. Donc les trois différents visages, voilà, qu'on a pu voir juste avant, plus le visage neutre déjà intégré. Donc on peut le voir déjà, c'est vrai qu'il a, il a un petit bronzage, il est très hallé, sa couleur de peau, très très beau, hein, très sincèrement très bien réussi, déjà le visage je le trouve vraiment magnifique. Ensuite nous avons trois paires de mains, plus deux mains, je fais la mise au point, nous avons trois paires de mains, plus en fait deux mains droites bonus, donc la main qui pointe du doigt, et puis l'autre main avec les fameuses griffes jaunes. Donc bon, un petit peu pauvre on va dire en visage ainsi que en paire de mains. Donc nous avons également le visage aux yeux fermés qui a disparu sur ce Hagen. Nous avons également la deux protège-gants pour l'armure. Allez, blister suivant. Allez, ce nouveau blister, donc le deuxième, donc il comprend l'intégralité de l'armure à l'intérieur de ce blister. Nous avons la partie pectorale, nous avons bien sûr le corset, nous avons les épaulettes, nous avons les deux avant-bras, les brassières, pardon. Donc bien sûr, les brassières qui sont vraiment pour surtout la main droite qui est vraiment très très belle, qui représente bien sûr la tête de cheval ainsi que sa crinière sur cette brassière là. Donc bien sûr ne pas se tromper de sens, bien sûr le sens du blister, ou bien regarder sur le manuel de montage. Donc nous avons les deux avant-bras, nous avons la jupe ici, nous avons les cuissardes qui sont juste là, nous avons les deux jambières donc qui sont en fait additionnées, voilà, pour avoir le complet. Nous avons là les genouillères, comme vous pouvez le voir aussi, et ici les éperons. Alors, déjà, rien qu'un simple visionnage, mais bien sûr, j'ai déjà vu la revue de Mike Tigra, bien sûr, qui c'est qui n'a pas vu sa revue sur, concernant ce Hagen, qui est vraiment magnifique. Donc, on va le voir après, mais déjà, cette partie à assembler, donc nous avons une partie métal et nous allons avoir une partie en plastique qui sera à ajouter, et les éperons bien sûr en plus aussi à intégrer sur le personnage. Donc bon, ça vis-à-vis de Bandai c'est un petit peu bof bof. Donc on a déjà eu certains personnages, déjà la version classique avait déjà ses éperons à ajouter sur sa partie jambière. Donc il y a d'autres personnages également où il y avait les éperons à rajouter, donc c'est un petit peu bordel puisque à chaque fois qu'on intègre les pièces selon le posing ou quoi que ce soit, elles ont tendance à sauter, à bouger. Donc c'est vrai que comme l'a dit Mike Tigra, donc les éperons je pense que je les mettrai vraiment à la fin lors du montage pour être sûr que rien ne tombe. Mais déjà bon, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir vraiment le bloc complet jambière intégré, donc les deux parties là plus la partie des éperons vraiment dessus, ça aurait été vraiment sympa. Après je pense que déjà le blister il fait son poids,
Donc si on aurait intégré la partie basse des jambières en métal, je pense que la figurine aurait pesé un âne mort, comme on dit, et ça aurait peut-être posé quelques soucis au niveau de la stabilité de la figurine, à savoir peut-être grand écart au niveau des jambes, ou peut-être les jambes en X, on va dire, donc torsion au niveau de genoux pour, à l'intérieur, donc vis-à-vis du poids. Mais on va regarder ça un petit peu après. Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'à regarder au niveau des pièces, que tout le monde disait qu'il avait des grosses cuisses, avoir là comme ça, à part les genoux qui sont vraiment grosses, mais vous avez pu voir sur Yossi là aussi que les pattes d'os sont assez grosses, à première vue, ça me semble assez normal. On va voir un petit peu le rendu juste après. Moi, ce qui me paraît, les épaulettes ont l'air peut-être un petit peu plus petites, mais on verra également les épaulettes si pour le montage de celle-ci, ça se passe également comme pour Yoshida, c'est-à-dire le système basique de chez Bandai et non les accroches épaulettes version X, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment bouger dans tous les sens. Donc, ou si on a simplement la petite accroche main de Lego, et qui peut ainsi nous limiter au niveau des poses. Donc voilà pour le deuxième blister. Le troisième blister, voilà, qui est complètement concerné, enfin qui fait l'objet, ce blister, de toute la partie totem de l'armure, donc de ce Hagen. Donc voilà, je pense que déjà la version classique à monter, elle était assez délicate, je trouve, à monter. Donc je me rappelle que lors de ces montages, j'avais un petit peu galéré pour la monter, donc l'armure sur ce totem là. Donc là, ça va, je pense que ça risque d'être un petit peu pareil, donc à monter. Donc vraiment, ce totem là, il est vraiment magnifique. J'en parlerai juste un petit peu après, déjà de l'histoire de Sleipnir bien sûr, et du personnage, ainsi que, et de vous parler de ce totem en particulier, puisque c'était vraiment celui que j'ai kiffé jusqu'au montage, pardon, de Queen de Alron de la Mandragore, donc qui a été vraiment mon numéro 1 maintenant. Mais ce totem là de Sleipnir est vraiment pour moi un des plus beaux dans la gamme Senseiya. Donc voilà pour les parties du totem. Ensuite, nous avons un quatrième, voire cinquième blister. Donc ce quatrième là qui intègre bien sûr donc la cape de Hagen et la petite queue de cheval du totem à monter. Et puis il y a une pièce aussi en plus supplémentaire qu'ils ont pu rajouter. Donc c'est une partie pectorale, donc qui est un peu plus étroite, beaucoup plus petite et moins bombée. Donc qui sera à remplacer si, selon les poses que nous souhaitons faire à ce Hagen. Donc pour une pose plutôt classique et non dynamique en termes d'attaque, nous garderons le premier plastron qu'il y avait sur les premiers blisters. Ensuite, si on veut faire vraiment l'attaque spéciale de Hagen avec les points fermés ou les différents types de formes que fait Hagen sur son petit rocher à l'intérieur du volcan. Donc si vous voulez faire vraiment ces poses d'attaque, il faudra intégrer cette partie pectorale de la figurine. Donc un petit peu à la manière comme le taureau version X aussi, ou version SOG, où il me semble qu'on peut changer la partie de devant afin de pouvoir faire les bras croisés d'Aldébaran, où il y a également, il me semble, Yoga aussi qui a les parties de devant, cette partie pectorale qu'on peut changer aussi pour qu'il puisse réaliser l'aurore, et je me rappelle plus déjà de suite. Donc pour exécuter vraiment l'attaque que faisait Yoga, le tonnerre de l'aube, pardon, voilà, donc ça me revient. Donc voilà, donc ça, c'est la partie en plus, un petit bonus que nous avons aussi afin de pouvoir faire des jolies poses avec ce Hagen. Et puis il y a aussi, donc voilà, derrière la partie du socle du totem, donc qui est à mettre sur le support une fois qu'on monte le totem. Donc simplement c'est le support du totem, donc qui est vraiment basique. Je suis un petit peu triste de voir un pied de support comme ça. Ils auraient pu faire quelque chose de vachement sympa. Bon, bref, on en rediscutera juste après. Donc c'est le quatrième blister. Je pensais qu'il y en avait cinq, il était collé derrière, mais non, c'est, il y a quatre blisters. Donc voilà, il reste plus que le manuel de montage. Le manuel que voici.
vous avez pu le constater, il y a pas mal de feuillets, je pense, pour le montage de la figurine ainsi que du totem. Bon, allez, on va s'amuser à pouvoir monter tout ça. Je vais vous montrer les différents blisters sans les protections afin que vous puissiez mieux vous apercevoir. Donc du coup, des couleurs de teinte de l'armure ainsi que du personnage. Et ainsi, je vérifierai s'il y a quelques défauts. Et puis après, on s'attaquera au montage du totem. Allez, nous allons voir l'intérieur des blisters sans les protections plastiques afin de nous rendre un peu mieux compte de la teinte de l'armure ainsi que des différentes pièces. Là, nous pourrons voir, c'est le plastron pectoral bonus supplémentaire afin de pouvoir faire sa célèbre attaque, le Great Ardent Pressure. J'ai un superbe accent anglais, bien sûr. Les différentes pièces du totem, comme je vous ai dit, qui sera, je pense, un petit peu complexe à monter, bien que très très beau, je pense. Et puis les différentes parties, voilà, de l'armure, comme j'ai pu vous indiquer, voilà, les pièces de jambière qui sont deux parties. Là, nous voyons la brassière du bras de cheval qui, en fait, a une petite cache plastique. Je pensais que c'était tout de métal, mais non. Donc c'est une pièce plastique et une pièce métallique. Les trois visages supplémentaires qui sont vraiment bien réussis. Regardez-moi ça, c'est vraiment très très beau. Un petit peu de bronzage pour ce Hagen, à force bien sûr de rester dans la grotte de lave. Et puis les trois paires de mains, plus les deux mains bonus, celles qui pointent du doigt, ainsi que sa main avec les griffes jaunes. Voilà pour le contenu des blisters. Je vous présente, les amis, la monture d'Odin, le fougueux Sleipnir. Des images qui nécessitent vraiment aucun commentaire, simplement un tout petit peu de difficulté pour monter le totem, mais vraiment vous allez admirer ce totem, il est vraiment incroyable. Mighty Gra qui n'a pas monté le totem de Hagen car il avait simplement peur de tomber amoureux de celui-ci. Eh ben écoute, je suis entièrement d'accord avec toi, Mike. Une fois que j'ai monté ce totem, j'ai eu énormément de mal à me défaire de celui-ci. Donc j'ai même limite stoppé le tournage de la vidéo pour pouvoir en profiter un tout petit peu, donc de la soirée. Je l'ai mis à côté de la télé, donc bon, le plateau ne tournait pas, mais j'ai voulu vraiment profiter de ce totem que je trouve vraiment incroyable. J'ai repris le tournage le lendemain. Donc Mike, c'est vrai que il y a de quoi tomber vraiment amoureux de ce totem sublime. Ah, notre sublime et magnifique fougueux Sleipnir, qui signifie en fait planeur ou glissant, qui peut avoir un sens proche de celui qui veut dire donc qui glisse rapidement. Donc Sleipnir, qui est le fils de Loki, je vous en ai déjà parlé dans de la revue de Evil God Loki, justement une des dernières. Un jour, il se transforma justement en jument et se fit féconder par un étalon géant. Oui, ça peut paraître un petit peu étrange, j'essaie d'enlever cette vision de ma tête. Et naquit ensuite des entrailles de Loki, Sleipnir, le fameux cheval octopode à 8 pattes et de couleur gris, d'où l'importance de la couleur, je pense, de l'armure de Hagen. Loki eut 4 enfants en tout, Sleipnir étant le seul enfant, gentil entre parenthèses, que les dieux gardèrent auprès d'eux. Les 3 autres frères, engendrés par la géante Angrobada, furent donc le loup de Fenrir, le serpent de Midgard et elle, la déesse de la mort, qui sont jugés donc dangereux. Odin les éloignera d'Asgard, le serpent est jeté dans la mer, le loup est enchaîné et elle est reléguée au royaume des morts dont elle deviendra la gardienne. Sleipnir est considéré comme le meilleur cheval parmi les dieux et les hommes. Il était capable de se déplacer au-dessus de la mer comme dans les airs, d'où son nom de glissant ou de planeur. Plus tard, il deviendra la monture d'Odin que celui-ci chevauchera et lui permettra de traverser le pont Bifrost et de se rendre dans les 9 mondes que compte Yggdrasil.
Hagen qui, je crois, vient de dompter Sleipnir et qui va pouvoir bien sûr endosser cette superbe god robe. Allez, le montage, c'est parti. Hagen, le voici dans une petite pause que j'ai mis simplement comme ça en 2 secondes. On va lui faire faire le test de la danseuse. Donc, effectivement, donc, au niveau des torsions des jambes, c'est plus ou moins correct. Au niveau des cuisses, comme vous pouvez le voir, elles sont fines. C'est taille standard, on va dire, pour le personnage comme n'importe quelle autre figurine. Donc, on va voir au niveau de l'épaisseur de l'armure que je pense que le souci de ces grosses cuisses sera plutôt au niveau des pièces de l'armure. Allez, on va commencer bien sûr par le bas, comme d'habitude. On va lui mettre du coup cette fameuse cuissarde qu'on va regarder un peu plus en détail. Voilà. Donc quand on la voit un petit peu comme ça, elle fait pas super épaisse. En fait, c'est l'intérieur. Il faut dire que la partie de cette cuissarde est très épaisse. Donc il y a beaucoup de métal sur celle-ci. Donc voilà un petit peu le rendu. Donc ça fait un petit peu sur le moment, lors du montage, on ne se rend pas forcément compte de l'épaisseur de cette cuissarde. Je pense que ça va être lors du montage de la jambière. Donc voilà, donc cette jambière qui est en deux parties, une partie métal et une partie plastique, voilà, qu'il faut additionner. Donc bien sûr, il ne faut pas que je me trompe de côté. Voilà, et vous avez les éperons aussi à additionner, donc je les mettrai vraiment à la fin. Voilà, je pense que ça sera mieux de les mettre après, comme disait Mike, plutôt que les voir à chaque fois tomber. Allez, on va voir ça. Donc c'est vrai que comme ça, on a l'impression que ça lui fait des gros mollets de cycliste. Mais ça va être bien sûr avec cette genouillère en fait. C'est cette genouillère. Ah, c'est tombé. C'est cette genouillère qui donne vraiment un petit peu pâteau. Voilà, c'est ce gros ensemble de pièces de genouillère en métal. On n'a pas la petite pièce généralement qu'on met toujours au niveau du genou. Donc là, c'est un ensemble vraiment complet. Ça fait très très beau puisque ça épouse vraiment bien la forme du personnage. Bon, ça me choque pas forcément. Honnêtement, sur les photos, je pense que ça fait encore beaucoup plus épais, beaucoup plus gros. Mais une fois qu'on l'a plus ou moins en main, ça me choque pas tellement. Après, c'est bien sûr selon les différents posings qu'on peut faire de la figurine qui donne, je pense, cet effet grosse jambe. Donc si on prend la photo du bas, donc ça donnera vraiment cet effet-là. Jusqu'à présent, pas forcément de difficultés, bien sûr, à mettre ces différentes pièces ainsi que les pieds. Allez, voilà. Ah, regardez, il est quand même déjà très très bien. Ça me choque pas autant que ça, très honnêtement. On va voir un petit peu à la fin lors du montage final. Allez, la pose du plastron. Nous allons attaquer la jupe. Alors moi, un autre petit souci que vous allez voir, enfin pas souci, mais là ça épouse bien la ceinture une fois qu'on va tout mettre le complet avec le corset, donc ça va être bien, mais de temps en temps, selon la manipulation après qu'on aura pour le posing de la figurine, on le voit un petit peu ce jour entre la ceinture et le corset. Donc c'est, je pense que voilà, le fait de ne pas avoir une ceinture, voire jupe totale, pour un petit peu camoufler le jour qu'on peut avoir dans la torsion de la figurine en mode X, là, au niveau du buste. Donc bon, voilà, c'est une simple petite chose que j'ai vue qui peut choquer, on va dire, tout simplement. Donc la partie pectorale, voilà, qui est en deux parties, je vais utiliser vraiment celle qui est déjà fournie dans le blister, la grosse épaisse. Je ne ferai pas de pose, je pense, du Great Ardent Pressure. Et donc du coup, je vais garder ce gros plastron pectoral. Donc n'hésitez pas bien sûr à utiliser celui qui est en bonus pour pouvoir vraiment faire toutes les attaques de ce sublime Hagen. Voilà, le rendu est déjà très très beau. Allez, je vais mettre les brassières et ensuite les différentes paires de mains. Donc par contre, voilà, ça y est. Bon,
Disons que la pose pour laquelle j'utilise, celle que j'utilise pour pouvoir mettre son armure, je le mets en mode grand écart, mais il est vrai que à force de le manipuler, celui-ci a tendance à faire le gymnaste et à bien sûr à s'écarter un petit peu après quelques manipulations. Il perd un petit peu de rigidité au niveau des jambes. Voilà la partie qui va nous intéresser, c'est son célèbre bras droit qui représente la crinière ainsi que la tête de cheval, qui est vraiment très très beau. Voilà, allez, on va passer à l'avant-bras. Donc voilà, comme je vous disais, donc cette pièce-là qui est en métal et il y a une partie plastique qui le recouvre. Alors la tête de cheval qui fait un petit peu le bec de canard, on va dire aussi, que certaines personnes ont dit, ça fait pas très très beau de voir cette pièce là qui s'ouvre un petit peu. Donc sur la version classique, donc la version classique qui date de 2007, qui était vraiment déjà très très bien réalisée au niveau de la conception de l'armure ainsi que du totem, mais qui avait des visages et une chevelure vraiment dégueulasse. Donc vraiment là je pense qu'en fait cette bouche de canard au niveau, on va dire, du cheval est faite pour pouvoir, une fois qu'on intègre la main, pour pouvoir vraiment faire un joli posing et pouvoir bouger la main dans tous les sens. Alors je vais revenir, voilà la fameuse partie de l'épaulette qui Bandai nous envoie encore une fois des versions de fixation de figurines en version classique. On n'a pas les versions EX en termes de fixation d'épaulette, donc on va être encore très limité, comme pour le Yosila ou pour le Siegfried ou pour les dernières figurines que nous recevons en mode EX. Donc c'est vraiment triste de voir ça de la part de Bandai, de nous donner ce type de fixation, surtout qu'en plus comme vous avez pu le voir, on le voit un petit peu la fixation vue du dessus, donc c'est vraiment dommage qu'elle soit pas cachée avec le système de fixation EX au niveau des épaulettes. Donc vraiment encore un point négatif de la part de Bandai qui se fout un petit peu de nous. Donc pour revenir encore une fois sur la brassière, la tête de cheval, donc en fait si elle est un petit peu ouverte, je pense que c'est pour pouvoir vraiment bouger les mains dans tous les sens et avoir vraiment et pouvoir faire tout type d'attaque avec le Hagen. Donner un petit peu plus de souplesse au niveau des mains, puisque sur la version classique on était limité, une fois qu'on rentrait la main ou le poing, on pouvait pas le bouger, on pouvait faire un petit peu de rotation, mais on n'avait pas la possibilité de vraiment bouger le poignet dans tous les sens. Tandis qu'avec cette version là de cette brassière, avec cette bouche de cheval un petit peu ouverte, ça nous laisse un petit peu plus de possibilités. Allez, je vais lui mettre donc du coup cette fameuse main avec ses griffes là, donc cette même bonus qui a été fournie dans ce Hagen EX, qui est vraiment très très belle. Donc une des premières attaques, donc elle n'a pas de nom, c'est une des premières attaques que fait Hagen à Yuga lors de leur première rencontre. Donc ça va être très sympa d'utiliser cette jolie main et de lui faire un joli contraste avec ses doigts jaunes. Alors j'ai pas eu de soucis de peinture sur cette main, donc vous avez pu voir un petit peu le gros plan dessus. Donc Mighty Gra a eu un petit peu de problème de peinture qui s'est un petit peu écaillé ou même qui a un petit peu bavé. Donc moi pour ma main, j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu ce souci là. Regardez le résultat déjà de cette figurine, de cette armure qui est vraiment magnifique. Alors Hagen, le voici, sa tête, je vais changer la chevelure pour lui intégrer le casque, comme vous pouvez le voir. Donc en fait le casque se met en trois parties, donc il faut mettre la partie centrale en premier, bien voilà, comme vous allez le voir, bien centrer le casque pour pouvoir mettre les ailettes de son diadème sur le côté. Et puis sur la version classique, en fait à la base nous avions deux casques, donc un casque avec la visière fermée et le casque avec la visière relevée pour pouvoir voir ses yeux. Là en fait cette partie du casque du diadème est amovible, tout simplement en faisant une pression vers le bas, on va avoir tendance à lui descendre le masque pour protéger les yeux, et en le relevant un tout petit peu, ça se fait vraiment sur quelques millimètres, on va pouvoir lui relever le diadème afin de voir ses yeux. Mais c'est un système qui ne marche pas forcément très très bien, donc quand on appuie pour le descendre, le masque ça recouvre un peu, mais on n'a pas forcément un très très bon rendu que s'ils ils auraient fourni deux diadèmes, je pense qu'aurait été vraiment bien pour ce Hagen. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, selon
dès qu'on essaye de rentrer la tête, donc ma main et ma fille qui s'incrustent un petit peu sur, sur le tournage. Donc voilà pour ce joli visage. Donc un petit peu dommage au niveau de ce diadème de voir ça là. Donc à la base, je pense que c'était une bonne idée de faire un casque, un diadème amovible. Mais je pense qu'ils auraient dû laisser un petit peu plus de jeu. Allez, le montage est fini. On va attaquer le posing. Je vais lui mettre bien sûr la cape et vous allez voir ce magnifique Hagen en action. Allez, c'est parti les amis. Voilà les amis, je vous présente Hagen de Merak dans sa God Robe, ce magnifique guerrier divin que nous a proposé Bandai dans cette version EX. Il est tout simplement magnifique. Vous allez pouvoir le voir lors du posing dans différents fonds, donc devant la grotte de lave dans laquelle il y aura la fameuse confrontation avec Yoga et Freya qui fera bien sûr son apparition également. Donc profitez les amis de ce posing, de cette magnifique figurine mise en valeur avec ses différents fonds. Voilà, vous allez avoir également quelques surprises lors du posing. Donc je vous laisse profiter un tout petit peu de cette figurine qui est vraiment splendide. Alors, Hagen de Merak, que nous connaissons tous bien sûr vis-à-vis du dessin animé d'Asgard et son célèbre combat encore une fois contre Yoga, mais on connaît moins la partie de Hagen dans la mythologie nordique. Il faut savoir bien sûr que chaque guerrier divin porte un nom qui correspond bien sûr à un personnage qui n'a pas existé mais qui fait partie de cette mythologie nordique qu'on peut retrouver dans différents poèmes ou bien sûr dans le chant des Nibelungen. Donc j'ai essayé de vous parler un petit peu plus de Hagen version mythologie plutôt que la version de Hagen sur le dessin animé d'Asgard que nous connaissons tous, nous savons tous le rendu et qu'à la fin bien sûr Hagen périt des mains de Yoga pour lui récupérer bien sûr son saphir d'Odin. Mais je vais vous parler plutôt de ce Hagen dans la mythologie nordique. Alors, je ne vais pas raconter encore l'histoire de Siegfried, bien sûr, tout le monde la connaît. Il a tué le dragon de Fafnir, il a récupéré le trésor de Nibelungen, il s'est baigné dans le sang du dragon, mais une partie de son corps reste vulnérable. Voilà pour l'histoire de Siegfried qui va avoir bien sûr une importance dans celle de Hagen. Alors après cela, Siegfried tombe amoureux de Grimhild, qui est une princesse et la sœur du roi Gunther. Siegfried aura le droit d'épouser Grimhild s'il aide Gunther à gagner la main de Brunhild qui impose des épreuves à ses prétendants. Grâce à sa force, à son homme ou sa cope selon les récits qui étaient magiques, donc Siegfried aide Gunther à remporter les épreuves. Brunhild est enfin mariée à Gunther mais résiste lors de sa nuit de noces. Là encore, Siegfried aidera le roi à dompter la nouvelle reine en se faisant passer pour lui grâce à son homme. Il la maîtrisera, il lui enlèvera sa ceinture et lui dérobera une bague. Siegfried, de son côté, a épousé Grimhild. Entre elle et Brunhild, qui veut la considérer comme sa vassale, les choses se passent mal. Grimhild révèle à la nouvelle reine le rôle joué par Siegfried lors de sa nuit de noces. Outragé, Brunhild réclame à Gunther la mort de Siegfried. Hagen von Tronsch, qui est vraiment son vrai nom, un homme en noir au casque de fer orné de plumes de corbeau, fidèle vassal et serviteur dévoué à la reine Brunhild, organise une partie de chasse. Grimhild, pensant protéger son époux, montre à Hagen où se trouve l'endroit vulnérable de son mari en cousant une croix sur sa tunique. Hagen indique une source d'eau fraîche à Siegfried et frappe alors à son endroit vulnérable à l'aide d'un javelot. Siegfried est assassiné et le trésor des Nibelungen est jeté dans le Rhin, célèbre fleuve. La femme de Siegfried jure alors qu'elle ne connaîtra pas de repos tant que le meurtrier de Siegfried ne sera pas puni. Grimhild refait sa vie entre-temps, se marie de nouveau à un roi et lui donne un fils, Ortlieb.
Par la suite, des années plus tard, Grimhild prendra connaissance de la mort de Siegfried par le traître Hagen et organisera un banquet afin de pouvoir recevoir son frère Gunther et Hagen et les éliminer. Sur le chemin, des fées avertiront Hagen qu'ils ne rentreront jamais chez eux. Et effectivement, de nombreuses personnes mourront lors de cette journée, lors de ce banquet, dont le fils unique de la reine, Urtliel. Gunther et Hagen seront capturés finalement. Grimhild demandera à son frère où est caché le trésor, qu'il refusera de dévoiler. Cette erreur lui coûtera sa tête. Présentant la tête de son propre frère coupé à Hagen, celui-ci refusera à son tour de parler et Grimhild sortira du fourreau l'épée de Balmung, l'épée de son ex-mari, on va dire de Siegfried, et tranchera la tête de Hagen. Voici l'étoile de Merak qui brille sur cette constellation de la Grande Ourse. Donc chaque guerrier divin porte comme godrobe le nom d'une étoile de la constellation, bien sûr, de la Grande Ourse. Cette étoile, 8 guerriers. Oui, car Mizar a une petite étoile jumelle qui ne fait pas partie de cette constellation et qui est Alcor. D'où l'apparition, bien sûr, du frère jumeau de Sid dans son ombre. Pour cette review, Hagen de Merak de l'étoile Beta, Merak et Beta étant la même signification de leur étoile. Merak pour une désignation européenne et Beta étant la signification stellaire en astronomie de la classification de Bayer. En astronomie nordique, la Grande Ourse chez nous est appelée chez eux chariot de l'homme, ou pour les Vikings à l'époque voyaient dans ce chariot de l'homme le dieu et guerrier Thor. Et la petite ours chez nous, comme nous l'appelons comme ça, donc le chariot de la femme pour les Nordiques. Le verdict de ce Hagen de Merak version EX de chez Bandai. Donc dans les points négatifs, le visage aux yeux fermés qui est manquant, la visière du casque qui n'est pas très bien amovible, donc du coup on a du mal un petit peu à le monter ou à le descendre pour laisser apparaître ses jolis yeux. Donc l'épaulette, simple articulation, nous n'avons pas l'articulation version EX. Les éperons qui ne sont pas intégrés à la jambière et qui ont tendance à chaque fois à sauter. La souplesse des jambes après le montage et la fragilité de certaines pièces à faire très attention pour ne pas les rayer, bien sûr. Dans les points positifs de cette figurine, donc du coup l'armure de ouf, bien sûr, le totem qui est vraiment majestueux, le prix qui est encore intéressant et surtout que la figurine est encore disponible, elle n'est pas encore en out of stock. Le bonus sur les mains et ainsi que la partie pectorale supplémentaire, c'est plutôt sympa. Et puis le risque qu'a pris bien sûr Bandai à faire ses jambes que tout le monde dit qui sont plus ou moins grosses, mais finalement le rendu est vraiment magnifique, vraiment une très très belle armure que ce Hagen version UX. Pour la note de ce Hagen, bien sûr, j'aurais pu lui donner une très grosse note, mais je vais lui donner un 8 sur 10, voilà, je vais être raisonnable. Donc surtout pour quelques points négatifs, comme vous avez pu le voir, je lui donne cette note-là, disons que Bandai en ce moment se fout un petit peu de notre gueule sur certaines pièces, mais sinon c'est vraiment une figurine de ouf. Nous allons pouvoir profiter de visionner en quelques secondes les deux premiers guerriers divins version EX de chez Bandai. Donc vraiment une très très grosse réussite au niveau de ces guerriers divins. Sur cet arc Asgard, vraiment jusqu'à présent les Marina faisaient très très fort, mais là Bandai avec ses versions Asgard EX, il faut dire que c'est vraiment une tuerie. Déjà le Siegfried était vraiment magnifique et maintenant la sortie de Hagen donne vraiment un fort caractère à ces personnages que j'adore énormément. Donc cet arc Asgard que je kiffe énormément. Donc du coup, on a hâte vraiment de voir une nouvelle sortie en espérant qu'il y en ait une, bien sûr, avant la fin de cette année 2020. Donc ça sera une grosse surprise de savoir qui sera le futur God Warrior.
Voilà les amis, c'est déjà fini malheureusement pour cette revue sur le Hagen EX de l'étoile bêta de chez Bandai. Écoutez, je suis vraiment triste, voire même désolé de devoir arrêter cette review. J'aurais aimé qu'elle soit beaucoup plus longue. Franchement, j'ai pris un réel plaisir à pouvoir faire cette review à la montée, à faire le totem, le posing. Franchement, c'est une figurine vraiment incroyable, malgré peut-être quelques soucis ou d'autres personnes, voilà, comme vous avez pu le lire sur différents groupes vis-à-vis de ces gens, quoi que ce soit. Moi, pour moi, malgré tout, c'est une tuerie. C'est vraiment, jusqu'à présent, on dit toujours ça souvent quand il s'agit d'une nouvelle figurine qu'on reçoit, bien sûr, mais pour moi, c'est vraiment la tuerie. Alors d'aujourd'hui, sur toutes les figurines Mid-Cross qui ont pu sortir, Siegfried, lors de sa review, je l'avais dit que c'était vraiment, pour moi, je pense, la plus jolie. Donc effectivement, jusqu'à présent, c'était vraiment une des plus belles que j'ai pu monter en tant qu'armure, hein, bien sûr. Mais là, vraiment, le Hagen, donc voilà, en dehors du fait de savoir si c'est l'armure préférée pour moi de la Casgard, alors là, malgré tout, même si je l'aurais mis un 6, un 7, un 8, n'importe quelle note que j'aurais pu lui mettre sur cette revue, quoi qu'il en soit, elle vaut un 10, un 11, un 20 pour moi, quoi qu'il en soit. C'est vraiment la figurine de ouf, comme vous avez pu le voir. Si j'aurais pu continuer à tourner, à vous faire tourner le plateau sur le totem, ça aurait été avec grand plaisir. Même avec le posing, si j'aurais pu vous le continuer à vous faire tourner également afin de pouvoir en profiter simplement entre les poses et également les fonds que j'ai pu mettre derrière, parce que vraiment j'ai vraiment kiffé lui trouver quelques images pour le mettre vraiment en valeur, que ce soit dans le grand cas ou bien au niveau de la glace. Bon, mais écoutez, je parle beaucoup. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, bien sûr, de liker, de partager si vous avez bien sûr envie de partager cette sublime figurine, cette sublime review. Surtout, bah écoutez, un grand merci également à Mike Tigra, bien sûr, du fait que je lui ai piqué, entre parenthèses, une pause, mais je le nommerai bien sûr, j'en ai parlé avec lui, pour pouvoir le citer. Il le sait que je vais lui prendre une pause parce que j'ai vraiment kiffé. Donc merci à Mike Tigra également, merci aux copains, et écoutez, ben, on se revoit rapidement, encore une fois, je vous le dis, et ben, collectionnez bien, et puis à bientôt les amis, ciao ciao ciao.